Voilà. Je suis quelque part. Hein. Je suis quelque part. Et j'aimerais partager l'endroit où je suis là avec vous, les fans. Je veux partager avec vous. Mais avant cela, je veux que vous partagiez ce direct. Parce que il y a des gars qui prennent les prétextes ici, là, que ils ne veulent pas investir au pays parce que c'est monté, c'est descendu. Bon, Franco, présentement, s'il est quelque part, vous-même regardez comment c'est beau, c'est joli. Très joli, regardez. Eh, Seigneur, regardez vous-même comment c'est joli. Donc, Franco, présentement, est quelque part. Il veut vous présenter l'endroit parce qu'il y a les gars qui m'ont un peu manqué de respect par rapport à mon événement, que ta chambre, les histoires, tu vous dis que tu vas aller présenter ton événement, machin, tout la chambre là. Ok. Je vais vous montrer donc ce que vous appelez la chambre. Voilà un peu, non? Voilà, ça c'est à l'esplanade, ça c'est en haut. Je descends vous montrer où je suis. Voilà, je prends un peu les escaliers, je retourne pour que vous-même vous voyez les escaliers là. Vous voyez comment je descends. Parce que, vous voyez, quelqu'un dit là que je suis en train de parler les choses, que vous-même regardez, je prends les escaliers, je descends. Je descends tout doucement. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Le monsieur s'y fait même quoi là? Non, attends, je ne parle pas encore de lui. Je descends, je descends, je descends, je descends. Bon, ici, c'est l'accueil. Bon, avant de revenir à l'accueil, si vous me regardez comment c'est beau. Avant de revenir à l'accueil, je vais d'abord sortir. Je commence à l'extérieur. Je reviens. Donc, je sors. D'accord. Ça, c'est la sortie. On reprend au point, on commence au point zéro. Vous comprenez, non? On commence au point zéro, les gars. Partagez le direct. Partagez le direct. Je vais vous présenter ce que. Voilà. Quelqu'un m'a d'abord dit que Las Vegas, c'est quoi? Las Vegas, c'est quoi? Donc, je suis aujourd'hui là pour vous montrer que on ne blague pas avec la blague. Regardez vous-même. Regardez l'investissement de quelqu'un qui est en Beng, au Cameroun. Vous dites que le gouvernement a fait un monté et descendu. Vous ne pouvez pas investir au Cameroun. Pourquoi? Celui-ci a fait comment pour investir au Cameroun? Vous-même, regardez comment un Bengui s'est investi au Cameroun. Regardez. Au prix de rien. Regardez vous-même. Sieste 3000. Vous voyez, non? La suite à 5000. Vraiment de Dieu. Ça, c'est les choses que vous mangez. Je rêve. Je ne sais même pas si c'est vrai. Donc, je ressors. Je ressors. Je recule un peu. Je recule. Regardez comment il recule. Quelqu'un m'a dit que, est-ce qu'il y a les parkings au Las Vegas? Regardez. Voilà, bon. Ça, c'est déjà vers chez le voisin là-bas où il y a la vieille voiture. Là, ce n'est plus. Là, c'est la limitrophe avec Las Vegas. Donc, regardez. Vous pouvez garer dans votre voiture à partir d'ici. Donc, regardez comment je marche. À partir de là, regardez. Tout ça, c'est le parking. Regardez, les voitures sont garées comme ça. Regardez. Regardez, c'est le parking. C'est le parking. Tout ça, c'est le parking. Vous voyez un peu. Tout ça, comme vous voyez là. Voilà les voitures garées, non? Voilà les clients qui sont comme ça à l'intérieur. C'est le parking, c'est garé. Voilà ma voiture, je passe comme ça devant ma voiture. Voilà, regardez, regardez, regardez. Tout ça, je suis toujours au niveau du parking. Je vous présente le parking, tout ça. Oh, le type, c'est mon cogne. Regardez comment les voitures passent. Vous voyez, non? Donc, c'est en route. Les gars, ceux qui vont venir là par rapport à mon événement, disent qu'ils vont garer leur voiture où? Regardez, voilà la route. Voilà, ouais, qui là-bas en haut. Ça descend comme ça là. Voilà la maison du voisin. Ça descend, regardez. C'est toujours en route. C'est toujours en route. Voilà, ça part comme ça vers le bas. C'est toujours le goudron. Regardez. Voici les Las Vegas. Et vous voyez, non? Je recule comme ça. Regardez tout ça. Tout le long. Jusqu'au bout là-bas où vous voyez là. Attendez, descend. Je vous montre ça bien. Tout ça, c'est le parking. Partout ici. Vous voyez, vous allez garer les voitures. Partout ici. C'est pour garer les voitures. Partout là. Vous garez les voitures. Voilà encore la plaque. La plaque, pour ceux que j'ai fumé là-bas, ils croyaient que c'était la blague. Regardez bien. C'est des deux côtés. Donc, je vous dis que ce n'est pas la blague. Regardez bien. Suite à 5000 francs. 5000. Sieste 3000. Je me retire. En fait, c'est le parking qui veut d'abord vous montrer. Regardez comment ça se passe. Vous voyez, je descends là. Voilà une autre voiture qui est malheureusement mal garée. Bon. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Je descends. Voilà. Regardez. Tout ça qui tend du haut là-bas. Vous voyez en haut là-bas, tout ça, jusqu'ici, c'est le parking. Hein. Je suis en train de vous présenter présentement seulement le parking. Donc, vous pouvez d'abord donner le café à ce Mengis-là qui a investi, mon frère. Ce n'est pas donné. Je reviens encore ici comme ça, voilà. Tout ce que vous voyez, ce qu'il présente là, tout ça, c'est les Las Vegas. Ça, c'est la vue à arrière. Donc, on n'a pas besoin d'arranger tout, tout, tout là. C'est là, ailleurs. Donc, tout ça, regarde tout, c'est en route. Donc, c'est que le jour de mon événement, le jour de mon anniversaire, là, celui qui vient avec sa voiture, là, la boue ne te touche pas. Tu es en route. Donc, il n'y a pas question qu'on va t'agresser. On va regarder vous-même comment c'est bien et c'est sécurisé. Voilà la barrière. Donc, ici, vous avez la possibilité. Voici aussi une autre entrée par ici. Voici une autre entrée. Généralement, ça, c'est pour ceux,
Ça, c'est l'entrée pour ceux qui, pour les salles de fêtes, les salles de mariage. Donc, on n'entre pas ici. On descend comme ça, là. On descend. Je vais revenir ici. Donc, je rentre d'abord à l'entrée principale. Je vous présente d'abord bien tout ça. Voilà, on remonte. Regardez vous-même, d'abord, le mur. Le mur, d'abord. Hey! Attendez, rentrez un peu d'abord sur moi. C'est pas la magie. C'est la magie, non? Partagez dans le direct. Partagez le direct. Partagez, quand ils vous montrent les vraies, les bonnes choses comme ça, regardez. Regardez, c'est beau. C'est très beau. Très beau. Regardez. Voilà. Je retourne. Regardez. Voilà, ça, c'est l'entrée du snack. Oui, non. Voilà. On entre. Il vous manque l'intérieur. L'autre entrée. La petite entrée. Parce que ici, là, on n'a pas encore ouvert. Oui. Parce que dès que le mouvement commence le soir, là, si on ouvre ça. Donc, je vous présente. Voilà, en haut. Voilà, rien que la barrière, mon frère. Ou bien, c'est à combien de mètres, même comme ça. Je ne sais même pas où c'est à combien de mètres. Regardez. Oui, non. Vous voyez comment c'est bien fait, non? Vous voyez comment c'est propre, non? Lisez bien là. Ici, c'est Las Vegas. Ici, c'est Las Vegas. Voilà. Nous sommes comme ça à l'entrée. L'entrée principale de Las Vegas. Voilà. Voilà, je m'apprête comme ça pour entrer. Hein. J'espère que vous êtes en train de bien voir. Et c'est, je dis bien, c'est un Bengis. C'est un Bengis qui a mis son patole comme ça, mon frère. Donc, moi, voici à l'entrée. Je suis à l'entrée. Voilà. Regardez. S'il vous plaît, pas de bruit. Je suis en train de parler ici. La priorité, c'est moi. Je sais que c'est chez vous. Mais vous m'excusez pour me donner 2 minutes, n'est-ce pas? Très bien, merci. Donc, ça, c'est un autre restaurant. Je vais prendre chacun dans son poste. Il va m'expliquer ce qu'il fait. Voilà, je vous présente juste l'intérieur. Ça, c'est l'endroit du boivement. Un petit endroit. Voilà. Vous voyez un peu. La télé, là, n'est pas allumée. La télé, là, n'est pas allumée. Il fallait allumer les tables pour boire. Vous pouvez voir les tables. Voilà, je vous présente tout. C'est très... quelqu'un peut allumer la télé là, non? Ou bien? Voilà. Bonsoir, bonsoir les gars. Merci. Voilà, vous pouvez voir là en haut. Vous voyez. Oh, bon, on en crée travers encore un peu ici. Et ça, c'est les Las Vegas. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est l'extérieur, les gars. Ça, c'est l'extérieur. Juste à l'est, je vous parle. C'est l'extérieur. Voilà, la télé. Maintenant, attaquons l'intérieur, maman. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez bien voir l'intérieur, non? L'intérieur, voilà la clim. Voilà, si vous avez vu la clim, donc maintenant, entrons bien maintenant au Las Vegas. Voilà, ça c'est l'entrée. J'espère que vous êtes en train de bien voir l'entrée. La première porte, on en a la première porte, voilà, c'est la deuxième porte. Voilà, me voici. Voilà, voilà, ou alors les vraies choses commencent. Y a quelqu'un ici pour allumer, s'il vous plaît? Les lumières. Y a quelqu'un pour allumer ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour allumer ici? Il n'y a personne? Oui, allume. On va présenter les lumières là. C'est un peu sombre là. C'est vrai que vous aimez allumer toujours le soir, mais comme monsieur là, allumez. Vous voyez comment c'est grand. Tout ça, c'est Las Vegas. Voilà, allume. Allume. Eh, mon frère, on allume là, c'est caché même par où comme ça. Très bien. Waouh. Éteins encore un peu, tu allumes voir. Éteins. Voilà. Allume encore. Attends, présente l'autre façade ici. Éteins. Allume. Waouh. C'est beau. Attends encore. Éteins. Allume. Et qui? On prend l'autre côté ici. Éteins. Allume. Aïe. Voilà. Voilà. Attends, on peut prendre encore l'autre façade. Hein. Éteins. Allume. Hey. Appelle-moi un peu le boss. Le boss est où? Et vous qui venez nous, nous parler de Las Vegas. Voilà, vous voyez, non? Ça, c'est la salle du haut pour boire. Regardez où quelqu'un vient me dire que c'est dans une boîte, que dans une chambre qui avait organisé mon événement. C'est ici, les Las Vegas, les gars. C'est ici que l'événement, mon anniversaire, 1 an en tant qu'influenceur, là, c'est ici que ça va se passer. C'est ça que je reviens encore ici pour vous présenter, pour que ceux qui seront invités là, qui sachent que où ils partent là, ce n'est pas la blague. La clim, il y a la clim partout. Ici, on ne connaît pas la chaleur. Oui, non? On ne connaît pas la chaleur. Voilà, la clim. Je présente encore l'autre clim. Il y a encore l'autre clim par où là? Voilà, voici encore l'autre. Voilà encore l'autre clip. Voilà ça. Ça c'est, regardez. Ici, quelqu'un disait qu'on parle l'eau, les chaises, on vient mettre ici là qu'on dit que oh, regardez. Ici. Voilà les chaises royales. Ça c'est 2 chaises. C'est ici. Il y a, ça c'est même pas la salle des fêtes. On va aller à la salle. Vous allez confirmer la confirmation. Voilà. Je déroule là. Regardez, depuis les gens qui marchent, toujours les gens vont s'asseoir pour boire. Regarde, vous venez ici.
Vous êtes à l'aise, mon frère. Il n'y a pas les bruits, Même si vous voulez les bruits, vous avez la musique, on va mettre. Il n'y a pas de problème ici. Voilà, vous voyez, partout là, c'est pour le boivement. Voilà, ici, c'est le bar. Qui est ici? Voilà. Non, ah, ok, maman, ça c'est le restaurant. C'est Juba, là, n'est pas là. Elle s'est déplacée un peu. Ah, elle est dehors. Là, après, mon poussé qui est au bar là, elle me donne même d'abord une bière d'abord là-bas, mon frère. Que... Maman, tu as qu'à préparer quoi là-bas comme ça? J'ai fait le poisson. Parle un peu fort, je suis loin de toi. Oui, j'ai fait le poisson à la fin avec les pommes frites. Ouais. Bon, bientôt je vais apporter le poulet là. Donc, ah. Je suis en train d'emballer ceci pour le client, comme c'est un peu déplacé. Ah, ça c'est ouais. Pour le client que tu es en train d'emballer? Oui, 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 comme c'est déplacé. Ah, ah. Ok. Donc, ici c'est le poulet. Okay. Voilà, donc ça c'est. On m'a dit que là-bas à l'extérieur, c'est. Vous allez vous déplacer ici pour l'extérieur oui, là-bas. Oui, pour l'extérieur. Oui, le nouveau restaurant. Le nouveau restaurant, oui. Ah. Donc, ces choses-là, on va se mettre. Oui, 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 parce que là-bas c'est un peu plus spacieux et aéré qu'ici. Oui, oui. Ah, ok, ok, je vois. Voilà, elle est là. Maman, donne-moi même une bière là-bas. Non, mon frère, il va venir voir les bières, c'est comme ça là. Il va même voir même quoi. Donne-moi la bière, c'est la bière. C'est quoi ça? La SM et la brasserie ne me payent pas, tu me fais la publicité ici. Non, pas le gars Daniel. Je prends ce qui est à mon niveau. Ou moi d'abord, c'est boire en présentant la vidéo. Non, mais les brasseries ne me payent pas. Je suis en train de faire la SM comme ça là. Il va me verser l'argent beaucoup. Eh mon frère, est-ce que j'ai menti? C'est clair. Hein? Comment tu trouves les Las Vegas? Parfait. Ouais. Paradis. C'est elle là qui sait. Elle est au poste. Madame, les Las Vegas sont bien, non? Hmm? Voilà. Beaucoup de courage. Voilà. Bon. Non, il n'y a pas de problème, mon frère. Je te reviens. Je sais que tu gères plutôt le haut, à l'étage là-bas. Je vais d'abord montrer un peu la salle des fêtes. Donc, où il y aura vraiment l'événement. Je veux présenter ça à mes fans. Où il y aura vraiment l'événement en bas. Non, parce que c'est les gars qui vont arriver un peu tôt. Ils vont d'abord s'asseoir ici en haut. Les gars qui arrivent tôt, je vous laisse d'abord ici, vous buvez d'abord, vous prenez d'abord quelque chose, vous comprenez non? Ça ne sera pas du n'importe quoi les amis. Donc quand Franco dit qu'il veut faire sa chose, le boss est où? Est-ce que le boss est là? Ah il est en bas? Je le retrouve en bas? Ah ok, d'accord, ça marche. Donc vous voyez, donc là c'est la salle pour boire le vin. Ils appellent encore ça quoi? Hein? Vous appelez encore ça quoi? le snarba. Le snarba. Ok. Le DJ, malheureusement, le DJ ne sort pas en journée. Le DJ est en train de dormir. Hier, il a trop animé. Donc, il n'y a pas encore le son. Mais d'un moment à l'autre, le DJ va être là. Donc, tout ça, c'est pour boire. Donc, voici une autre sortie par ici. Nous voyons maintenant que dès qu'on sort comme ça, on descend. On prend les escaliers. Là, c'est pour aller dans la salle dont on était à l'étage. Maintenant, voici l'entrée que je vais d'abord présenter. Étant à l'extérieur, donc je ressors un peu pour vous présenter. Donc, voici où j'étais. Vous voyez, j'entre donc par ici. Là, c'est où donc les gens entrent pour descendre. On descend ici. On descend ici. On descend là pour aller dans la salle des fêtes. Donc, c'est où il y aura vraiment le Njoka, les gars. Donc, voilà. Et voilà, vous voyez, vous pouvez voir les mamans. Les mamans là sont en train de préparer. Sont en train de préparer. Donc l'avantage ici, c'est que quand tu prends une salle au Las Vegas, tu peux venir préparer ta nourriture ici là, non? Oui, non. Voilà. Il y a un mariage ce soir. Je vais vous présenter la salle. C'est à décorer. Ouais, les gens, ils sont en train de préparer pour leur mariage ce soir. Bonsoir. Vous ne répondez pas? Bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Hein? Comment? S'il vous plaît. Et un chef? Ah, je suis le chef cuisinier. Un fût pour glacer la boisson. Ok, d'accord. Je signale au boss là directement. D'accord, ça marche. Voilà, ici, c'est pour la salle. Hein. On va directement en salle. Voilà, vous pouvez voir. Boss, bonsoir. Vous êtes déjà là. Hein? Mais il n'y a pas le tapis rouge au sol. Ah, les gens travaillent. Elles sont en train de faire quoi? Bonsoir, c'est pour le mariage de ce soir. Hein, les fruits. Ah, le dessin, le gars qui fait le dessin. Waouh! Non, le DJ est là. Non, dis qui baisse, gars. Non, baisse. Qu'il arrête même d'abord. Arrête d'abord. Pardon, arrête d'abord.
Voilà, allume les jeux de lumière, allume, les jeux de lumière là sont éteints. Allume les lumières, allume plutôt les lumières partout. Je veux présenter les jeux de lumière, là sont les jeux de lumière importés. Allume tout ça. Il disait qu'il avait besoin d'un truc pour glacer ou quoi. Voilà le boss, explique-lui un peu ce que tu voulais. Assez, papa, allume-moi les jeux de lumière ici. Parce que quand il veut présenter quelque chose, je ne fais pas à peu près. Parce que quand il vient dire là que j'ai téléchargé quelque chose sur internet, je suis venu présenter aux gens. Il faut présenter ce qui est vrai. Ah, c'est ici là qu'on va en joker. Hein? C'est ici qu'on va faire boum, 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 boum. Le temps qu'il allume les lumières là, je vous présente la salle. Vous voyez, non? Vous voyez? Est-ce que vous voyez la salle? Allume partout. Je le dis, c'est qui allume? Qui allume alors? Hein? Voilà, allume partout. Allume partout. Les gens veulent voir où ils vont venir danser très bientôt. Qui allume, qui allume, qui est en train d'allumer? Voilà, vous voyez ici. Voilà. Je vous ai d'abord présenté deux chaises royales en haut là-bas. Voilà encore deux ici, avec la table loft. Ce n'est pas les choses qu'on parle, que machin, où les gens téléchargent les choses sur Facebook, ils viennent embrouiller les gens. Voilà, merci pour les lumières, mon frère. Vous voyez comment le décor, une fois changé, non? Voilà, voici le boss de Las Vegas. Voilà. Voilà, le directeur. Mais je ne suis pas encore à vous, directeur. Je présente d'abord la salle à mes gens. Parce que c'est la priorité, c'est d'abord où les gars vont venir danser. Les gars veulent voir où ils vont déposer le pied. Je le dis, tu es? Ah, c'est celui qui vient d'allumer la lumière. Oui, oui. Très bien. C'est comment? Je vais bien vous. D'accord, ça va, mon frère, ça va, ça va. Ici, c'est quoi, ici? Je sais où le Didier est plutôt. Voici où le Didier est logé, oui. Mais ici en bas, c'est encore quoi? C'est quoi ici? C'est lui qui a déplacé. Ah, ça, c'est pour la soirée. Oui, pour ce soir. Ah, ça, c'est quand c'est comme parce que c'est le mariage. En fait, c'est pour être plus proche. Il veut vivre l'événement avec les invités. Ah, ok. Mais vraiment, c'est en haut là-bas qu'il est. Il est vraiment. Ok. Non, je présente d'abord la salle. Regardez vous-même les chaises, les gars. Vraiment de Dieu. Ce sont les chaises de Las Vegas. Hein. Ce ne sont pas les chaises qu'on allait prendre chez le voisin. C'est les chaises de Las Vegas, comme vous voyez là. Hey, défile là. Regardez vous-même. Regardez la salle. Regardez. Mais les gars, c'est comme si vous avez allumé la clim, hein. Mais je sens que c'est à la magie. Ouais, les gars, ils sont en train de faire les fruits. Mon frère, c'est comment? Ça va très bien. Hein? Beaucoup de courage, hein. Merci. Attends, donc, dès que ton dessin, ah, tu as à commencer. Oui. Ah, ok. Là, je vais te lancer. Attends, je vais te lancer. Moi, j'aime les gens qui travaillent bien. Ah, donc c'est toi qui fais les choses comme ça. Gars, mon anniversaire, c'est bientôt. Il faut que je vais te contacter, là. Tu vas venir faire les choses comme ça pour mes invités. Attends, c'est ça qui me tue. Mais les pommes avaient le cœur, genre, là. Hey, yeah. Gars, je vois souvent les webs sur Facebook seulement. Donc, moi, c'est pas vrai. Moi, je croyais que c'était seulement les webs qu'on montait seulement. Laisse d'abord ton numéro, Direct alors. Oui, laisse ton numéro. Voilà, 6-96. Oui. 47-77-96. Comment on t'appelle? Voilà, on m'appelle Danny John Essono. Daniel John Estono. Wow. Beaucoup de courage, mon frère. Merci. Donc, je continue à vous présenter la salle. Voilà les couverts. Yadi Abos, les couverts, si c'est toujours pour Las Vegas. Ça nous appartient, tout nous appartient. Très bien. Donc, voilà les couverts, tout ça. Les couverts. Voilà les couverts là. C'est Las Vegas qui t'offre ça. Donc, tu veux te marier. Tu ne t'embrouilles pas. La décoration, c'est toujours vous. C'est nous. Tout ça. Même la décoration. C'est vous-même qui allez décorer. Là. Ah bon? Mec, même la décoration, mon frère, c'est Las Vegas qui décore. Regarde la clim. Donc voici, il y a combien de clim ici dedans? Quatre clim. Dans les quatre angles. Dans tous les quatre angles. Donc voici d'abord, attends, il faut qu'il prouve. Voici l'autre. Regardez, hein, je ne tourne, regardez bien. Nous je tourne. C'est cinq, hein? Oui, bon, voici encore l'autre clim de ce côté-ci. Voilà, voici encore l'autre clim de ce côté. L'autre clim est où? Je tourne. Oui, voilà encore l'autre, oui. Voilà l'autre là-bas. Voici l'autre clim. Voilà, vous voyez, non? Voilà ça là-bas. Voilà, tout ça, c'est la clim. Donc, l'autre est où? Ah, à l'angle là-bas. Ils sont partout, là. À l'angle. Oui. Voici l'autre clim ici. C'est vrai. Voici ça. Mais, gars, c'est que tu danses même le coupé décalé, tous les sons de Didi Arafat ici. Tu ne ressens rien. Mais, ça, c'est la magie. Voilà les jeux de lumière. Voilà ça. Vous n'avez pas besoin d'appeler encore le Didi qui vient mercredi, qui vient installer ces jeux de lumière. Non. Jamais. D'ailleurs, même qui tout vous offre le Didier. Regarde le matériel. Voilà. Voilà Sono. Tout. Voilà ça. Voilà Sono. Voilà ça.
voilà tout, les baffles, tout. Voilà, bon, je viens un peu nous parler un peu de Las Vegas là. Donne un peu, en quelques lignes, on va pas traîner. Parce que ça c'est un petit direct surprise que j'ai fait à mes fans là. C'est juste pour les présenter où il y aura l'événement. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a manqué du respect. Je présente Las Vegas, on regarde Las Vegas, ça ne ressemble à rien. Et c'est où j'ai choisi pour venir célébrer mon événement. C'est ça qui m'a énervé, j'ai dit que je vais venir aujourd'hui. Je vais montrer les Las Vegas aux gens. Parce que l'événement qui vient là, ce n'est pas les choses du quartier. Vous comprenez, non? C'est un truc qui va faire boum. Regarde, on veut faire, on fait. Boss. D'accord. Nous attendons tout le monde ici. Voilà. Las Vegas est situé ici à Messassi. Voilà. Tu peux entrer par Pont Emana ou par Amouba. Donc, Las Vegas, c'est un complexe avec deux salles de fête. Non, il faut qu'on explique bien. Tu sais qu'ici, c'est dans le direct. Ce n'est pas les trucs que j'ai fait souvent dans 5 minutes de rire. Oh, 30 secondes. C'est-à-dire que si tu veux venir au Las Vegas, tu oui. fais comment? C'est-à-dire que tu quittes. Donc, bon, on rappelle que Las Vegas, c'est à Yaoundé. Parce que tu viens me demander si c'est à Douala ou Yaoundé, à Bofsam, là. Le quartier même, c'est Messassi. Voilà, à Messassi. Et nous avons deux entrées. Donc, quand tu es au niveau d'Amouba, tu peux venir directement là, c'est à 150 mètres. Mais quand tu quittes de Pont Emana, tu fais 200 mètres et c'est goudronné. Pont Emana, oui. Ça, c'est le goudron jusqu'à l'arrivée. Le goudron jusqu'ici. Justement, je laisse mon quand même l'extérieur, le parking et tout. Voilà, il y a, on peut venir vers Olembe. Si tu viens de Olembe, tu entres même, oui, du stade là, à côté, nous sommes à côté. Après, Pont Emana, donc, même si tu viens que d'Emana là-bas ou bien d'Etoudi, tu arrives à Pont, on dit Pont Emana. Même si tu as pris le taxi, même si tu dis seulement entre le taxi, te laisse au niveau de Pont Emana. Si ouais. tu crois même que tu vas te perdre, si tu es un peu perdu, tu dis au Moutouman, tout le monde connaît Las Vegas. Voilà. Tu demandes seulement la salle de fête Las Vegas, le complexe Las Vegas. Le complexe Las Vegas, on va t'amener. On va directement dedans, parce que tous ces gens-là sont nos clients. D'accord. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit là que pour nous les membres de Franco, bon, il voulait dire les fans de Franco, quoi. Nous avons un prix... Hey, oui, on voulait rappeler que si quelqu'un vient ici en disant que c'est grâce à Franco qu'il est venu, c'est déjà un avantage. Wow. Il faut rappeler ça. Dès que nous voyons que c'est Franco qui a envoyé. Donc, quelqu'un vient en disant que. Dès qu'on prononce le nom de Franco, Franco ici, c'est un directement, il y a une réduction. Oui. Donc, du coup. L'offre direct. Je ne cache pas ma bouteille, mon frère. C'est quoi? Je cache quoi sous ma bouteille? On est où là? Voilà, parle-nous un peu rapidement. Las Vegas fait quoi? C'est comme nous disons, je disais tout à l'heure, c'est attends, pour la caméra sur toi, tu parles bien. Voilà, parle donc maintenant. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un espace événementiel oui. avec deux salles de fête dont les mariages sont assurés. Tu parles, je dis les mariages sont assurés, donc on vous prend du début à la fin jusqu'à la célébration du mariage, la réussite parfaite. Bon, maintenant, on a un snack bar. Ça veut donc dire que si quelqu'un vient ici, il veut célébrer son mariage, qu'est-ce que vous l'offrez? Qu'est-ce qu'il a, il peut... avoir besoin de quoi. Mais il vient ici et il a déjà, quand il vient, il a déjà notre salle de fête. Oui, il a la salle. Que nous offrons. Oui. Il y a déjà le Didier. Le Didier que nous offrons. Le Didier avec la sono avec aussi. Toute la sonorisation. Oui. Il a déjà toutes ces chaises que vous voyez et avec déjà habillé et le couvert. Il y a les chaises en plastique ou bien tout ça, c'est seulement les chaises aussi. Non, il y a des chaises déjà. Ah, ça va dépendre de la catégorie. Oui, ça dépend de la catégorie. Et tu choisis, ça dépend du choix du marié. Oui. Ça dépend du choix du mari. Ah, okay. Donc, il peut utiliser les chaises en plastique. Mmh. On peut les habiller et décorer au thème, au thème qu'ils ont choisi. Donc, tout le couvert est offert. C'est vrai que la fois passée, quand j'étais ici, ce n'était pas le même thème. Ce n'était pas le rouge. C'est quoi? C'était le vert, citron. Le bleu. Bleu, oui, je crois que tu comme ça. Le bleu roi. Oui, donc c'est qu'il y a plusieurs thèmes. Oui, il y a plusieurs thèmes. Bleu roi blanc, il y a... Les couverts là sont inclus dans tout ce que vous offrez. Oui, tout est inclus. L'offre est, direct. Avec 600 000, tu te maries, tu n'as pas de problème. Ah, vous donnez tout ça inclus dans les 600 000. Oui, dans les 600 000. Didier, couvert, la salle, décoration. Vous-même vous décorez. Nous avons tout. Dans les 600 000. Toute l'équipe est là. On fait tout le travail. Il y a décorateur, il y a... Avec les chaises ici. Tous les chaises royales là, tu te. Demandez au gars de dérouler le tapis rouge là. Même si ça n'arrive pas. Bon, porte quand même ça, on vient avec. Oui. Parce qu'il faut que les gens confirment qu'il y a le tapis rouge. On ne peut pas avoir une belle salle aussi. On peut avoir une salle aussi très belle comme ça. Il n'y a pas de tapis. Présentez le tapis rouge. Parce que les gens viennent me demander s'il a qu'une salle comme ça sans tapis rouge. Vraiment, c'est. Oh. Quand un benguiste fait cela au pays comme ça, il faut présenter. Ah les gars, vous voyez que ça c'est l'œuvre d'un bengiste. Vous voyez non? Une fois que les gars ils racontent qu'ils prennent pour motif tout, ils ne veulent pas venir investir au pays pour vous et monter sur des sentiers. Mais en fait, ils vont investir au pays. Nous là,
Nous qui sommes au pays comme ça, on va profiter. Merci pour le cœur, merci pour le cœur. Mais sauf que vous ne partagez pas, que vous présentez les bonnes choses. Alors après, vous allez passer par derrière. Je vous connais. Quand vous présentez les bonnes choses, vous ne likez pas, vous ne partagez pas et vous ne m'envoyez pas les cœurs. Maintenant, vous allez passer par derrière, venir dire que, mais Franco nous a montré un endroit bien ici. Ben, je suis arrivé ici, j'étais surpris qu'on m'a dit que, mais mon frère, depuis que j'ai commencé la publicité ici, est-ce que vous savez même que les salles sont occupées jusqu'en avril? Salles de fête. Voilà le tapis que les gars sont en train de dérouler. Ce n'est pas les choses qu'on parle au quartier. Je tourne la caméra, vous allez voir. Parce que moi, je parle les choses. Regarde, voilà le tapis rouge. Pas les faux, les tapis de 1000 francs le mètre là. Le tapis, c'est au moins 50 000 le mètre. Ouais, on déroule tout ça. Si, c'est les choses pro. Les gars, vous n'avez pas besoin de tout dérouler. Ça va. Enroulez. Et c'est combien de mètres? C'est 50 mètres ou c'est combien? À peu près 50 mètres. Donc, enroulez. Ça va. Donc, ça peut aller comme ça jusqu'à l'extérieur. Les gars, voilà, je vais vous présenter les toilettes. Parce qu'il faut que quelqu'un arrive ici. Même si tu as la diarrhée, tu viens à la fête. Excusez-moi pour le mot, hein. Excusez-moi pour le mot. Même si tu as les rapides, voilà, je voulais parler. Hé, hey, attends, laisse d'abord ma bière, mon frère. Je vais partir aux toilettes avec la bière. Dépose d'abord ma bière. Voilà, voici les toilettes. Voilà la salle de fête. Tu entres juste là. Pian, directement. Ah, mon frère, regardez-vous même l'entrée des toilettes. Seigneur Jésus. Voilà les toilettes. Voilà les toilettes de Las Vegas. Voilà ça. Première toilette. Je rentre, je ressors, je reviens. Deuxième toilette, c'est fermé, je ne sais pas pour quelle raison. Troisième toilette, peut-être, ça a un petit problème. Troisième toilette, c'est là. Tout est là, tout. Voilà les toilettes, tout est là. Ce n'est pas les choses qu'on parle. Je reviens, voici encore l'autre. Je rentre, je continue, voilà encore l'autre. Nous sommes déjà à la troisième porte, 1, 2, 3, 4, 5e. Voilà. Alors ça, c'est uniquement pour faire pipi. Et pour se laver aussi, je crois bien. Oui, pour se laver. On va le lavabo. Donc, on ressort. Voici encore. Sixième. On repart encore. Septième. On continue. Septième. Il faut que je vous montre. Parce qu'il va passer seulement. Les gens vont croire peut-être. Voilà ça. Septième toilette. Huitième toilette. Mais, c'est pas possible. Non. Mais, les benguistes là. Nous, avec, quand vous faites des choses au pays comme ça, mon frère, vous dites que nous, on ne va pas aussi venir en bain. Donc, mais mon frère, nous on va aussi venir là-bas. Regarde, le vrai agent, c'est un beng, mon frère. C'est un beng qui met l'argent au pays comme ça. Regarde, la clim met partout. Ceux qui me voient là même, seulement la clim partout. Bon, je porte ma bière et je continue à vous présenter. Voilà. À vous dérouler ça une fois pour le. Alors, comme c'est tout à l'heure, la fête c'est tout à l'heure. Bon, je vais d'abord monter, hein. Il est où? Je monte un peu. Je présente un peu les salles, parce que quelqu'un écrit là que s'il vient, il veut dormir, il va dormir. Je vous présente un peu les endroits là-bas. Oui. Hein? Moi, je te reprends tout à l'heure, je te reprends alors. Les gars, vous-même, vraiment, c'est pas beau. Je ne veux pas les escaliers, je vais vous montrer, je vais tout vous montrer. Hein. Moi, quand elle dit qu'il veut, je vais faire ma chose, je fais bien. Je ne fais pas dans l'à peu près et je bois mon vin en faisant. C'est tout ce qui nous reste au pays, mon frère, le vin. Le vin. Voilà, nous sommes toujours au Las Vegas. Vous voyez comment c'est beau, mon frère. Je fais mon plein les escaliers. Voilà, je vais traverser. Qu'est-ce que je fais? Non, je vous présente plutôt comme si vous êtes au Las Vegas. Si vous arrivez au Las Vegas, je reprends l'autre sortie d'ici. Oui, non, je sors comme ça de la salle. Je suis à l'extérieur, voilà. J'ai d'abord présenté ça tout à l'heure. Si vous êtes à Las Vegas et que vous ne venez pas voir. Vous venez avec votre petite. Voilà l'ancrée. Si vous venez à Las Vegas avec votre petite, voici comment on se cacher. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux entrer au restaurant, ou c'est quoi là-bas, ou c'est au snack là-bas. Mon frère, tu trouves Tango avec un autre boy, ou bien tu trouves ton boy avec. Ça devient maintenant les cham-cham. Donc ils ont pensé à tout ça. Donc si tu viens, tu gardes ta voiture. Comme moi, j'ai garé ma part là. Vous voyez, garer ma voiture sur le parking. Voici aussi pour un autre client. Là, c'est pour un autre client. Peut-être qu'il a créé donner une tête d'eau. Voilà. Donc, si tu viens, au lieu d'entrer par ici, c'est bien écrit la salle de fête restaurant. Non, viens plutôt par ici. Voilà. Voici, c'est le couloir ici. On entend par ici. Non, tu as sécurité. Tu as sécurité parce qu'il y a tellement de couloirs, même en haut là-bas. Dans la chambre. Ou un peu non. Donc, si tu entres par ici, tu as sécurité.
au niveau d'ici, si tu lèves la tête, on peut rester au bas là-bas, on te voit. Au snap là-bas, on te voit. Donc tu peux baisser un peu la tête, tu fais comme si tu nettoies quelque chose sur ta chaussure, la petite ne sera pas au courant. Ou bien ton jaune ne doit pas être au courant. Donc tu baisses un peu la tête. Là, si tu baisses un peu la tête, on ne peut pas te voir de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est l'entrée. Et dès que tu arrives là, tiens, tu es directement à l'accueil. Tu es directement à l'accueil. Oh, il y a qui ici à l'accueil? Voilà, il faut être toujours là. Parce que le client peut arriver comme ça là. C'est toi qui as l'accueil? Oui, monsieur. Ok, d'accord. C'est bien. Donc j'étais en train de les expliquer que si tu viens, tu as été caché. Ouais. Hein? Mais même si ta babouille soit mon frère, c'est ton problème là-bas. Tu es, comment on appelle ça, le gérant des... Non, voilà, je sens que tu as eu toutes les couleurs ici. Tu as séparé comme un couple ici, normalement. ouais. Bon, c'est rare quand même, ça n'arrive pas. Donc les gars n'ont pas encore bagarré ici. Eh, gars. Ça n'arrive pas, monsieur. Bon, il y a quand même une chambre libre maintenant, parce qu'ils veulent présenter toutes les chambres là à mes gens. Exactement. Parce qu'ils peuvent venir, si quelqu'un est de passage à Yaoundé, il peut venir au Las Vegas passer son séjour, il peut venir même découvrir. Même si tu veux Yamo, tu peux venir. Aujourd'hui, comme nous sommes le week-end, monsieur Franco, beaucoup de chambres ont été réservées. Donc, il n'y a aucune chambre qui est libre là présentement. Peut-être, il y a sauf. Ma chambre? Oui. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, je vais le sortir, transpire partout, mon frère. J'ai laissé ma pochette, j'ai laissé. C'est au Kinex, ça. Il y a la chambre là-bas. Attends un peu. Bon, on descend. Commençons par le bas. Donc, j'étais en train de dire, je transpire déjà. Bon. Clim. N'est-ce pas? Continue seulement tout droit comme ça là. Tac, ici, tu es directement à l'accueil. Hein? Blaise? Oui. Viens. Viens, descends. Dès que tu as l'accueil ici, tu vois Blaise. Oui. Tu vois non? Oui. C'est Blaise ou c'est Blaise? Moi, c'est Blaise. Blaise. Dès que tu vois Blaise, il te donne tes clés. C'est ici que tu vas prendre tes clés. Voilà le bureau de Blaise. Voilà. C'est ton bureau là-bas, non, Blaise? Là, voilà, dès que tu prends Blaise là. Blaise, descends pas ici, on mange là-bas le bas. Voilà, si tu continues à fuir, tu en descends par ici. Parce que, en passant par ici, tu peux tomber toujours. Parce qu'ici, là, si tu continues comme ça, pam, c'est tellement tracé. Ici, on se retrouve. Ici, on se retrouve au snap. Vous voyez? Et maintenant, quand on tourne comme ça, on part pas comme ça. C'est les chambres. Donc, ça veut dire que si tu sors du snap, tu as peinti. Dans le snap, tu n'as plus besoin d'aller contourner. Donc, je vous présente. Voici le snap. Si tu es dans le snap, tu sors du snap avec ta petite. Tu entres une fois par ici. Tiens, ça c'est pas derrière. Et tu passes directement chez le concierge. Et si tu as déjà pris ta chambre en avance, dès que tu entres ici, tu continues seulement tout droit. Je vais revenir ici. Je descends d'abord. Maintenant, si tu viens par ici, tu prends tes clés ici. Tu descends. Il y a trois catégories de chambres. Où on descend là? La catégorie la plus moins chère. Donc c'est pour ça qu'il est posé mis alors. Bah, parce qu'il faut travailler, il faut travailler. Ça, les escaliers, mon frère. Les escaliers, si le bas, si tu ne fais pas le sport, tu es mort. D'accord. Donc, la troisième catégorie. Mon frère, attends, tu ne peux pas la troisième catégorie. Les murs sont comme ça.
Ah, tu as dit, attends, troisième catégorie, c'est quoi? C'est ce qui est plus bon. Troisième catégorie, c'est la moins bonne. La moins bonne. Attends, quelle est bonne? Première, deuxième. Première catégorie. Oui, deuxième catégorie. C'est le dernier, non? C'est aussi climatisé. Attends, quelle est donc la différence entre tout ça? La différence, c'est que le lit n'est pas la même chose. Ici, nous avions les lits capitonnés, par exemple. Vous voyez les lits capitonnés là. Dans la troisième catégorie, nous, on dit qu'on voit là. C'est un lit en bois. Oui, c'est les lits en bois. Vous voyez la différence? Donc la différence, c'est au niveau du lit, mon frère. Ouais. Attends, même le plafond, tout est comme ça là. Même. Ça fait la même chose. Avec les lumières, si tout ça, ça fait. Troisième catégorie là. La troisième catégorie est encore plus beau parce que vous avez les tables personnalisées. Ça c'est la douche. Oui, ici c'est les toilettes. Vous avez les toilettes. Oui, oui. Les... Mais... Vous avez les tables. Attends, et ici c'est combien? Ici la nuitée, ici c'est oui. 10 000. Ici la nuitée c'est 10 000. Bah, climatisé, là je précise bien. Oui, oui, avec climatisé. Mais si c'est ventilé, tu peux payer 7 000 ici. Ah, avec le ventilateur. Il y a deux, il y a plusieurs. Le ventilateur où? C'est ça. Ah oui, oui, ok, 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 oui, 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 le ventilateur là, c'est vrai. Le ventilateur là. Ok, ok, d'accord. Vous avez enlevé la télé? Oui, on a enlevé parce que ça avait un souci. Ah, la télé d'ici a un souci. Je comprends pourquoi, je comprends pourquoi les gars n'ont pas occupé. Parce qu'il n'y a pas la télé. On avance, donc voilà, ça c'est le couloir. Dans tous les, donc toutes les autres chambres aussi sont occupées. Oh là là, là 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 là, malheureusement, j'avais prévu vous présenter toutes les chambres. Mais les chambres sont occupées. Vous voyez? Donc ici, attends ici. Vous pouvez voir l'esplanade, l'extérieur. Oui, non. Voilà l'arrivée. Vous pouvez voir comment les gens arrivent. Vous voyez? Vous pouvez tout. Donc, voilà, 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 voilà. J'ai à parler, c'est tranquille, mon frère. Et à parler. Donc, je reviens. Gars, on monte un peu. On monte un peu. Je monte juste l'autre chambre là-bas. Ça va. Là-bas, c'est chambre VIP. Bon, allons pour VIP. Je présente juste ça. Et il y a une chambre là-bas. Non, il y a pas. Ah, c'est moi, ma chambre. Allons, 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 allons. Il n'y a pas de problème. Gars, je vais essayer comment avec la bière. Ouais, c'est ça. Donc, on monte. Donc, ici. Vous pouvez prendre votre billet à la réception. Montre, je te suis. À la réception. Vous pouvez prendre votre billet là. Et vous montez plutôt par ici. Donc voilà l'entrée tout ici à l'heure. La l'entrée était là. On descendait ici. Et on partait encore ici. Maintenant, on monte plutôt. Voilà. On monte. Oui, allons-y. On monte. On monte à la première place. Et je veux préciser un dernier détail, monsieur. Oui, précise. Nous avions une réserve d'eau en cas de coupure. J'ai présenté ça en haut là-bas. Ah, je n'ai pas présenté. Je vais les montrer. Moi, je fais les choses avec les preuves. Voilà la clim pour prouver que les chambres là sont climatisées. Donc, ça, c'est une chambre ici. Climatisée aussi. Oui. Ici, sur la VIP. Ici aussi. Voilà, voilà l'autre clim. Voilà. Voilà, voilà la chambre. Et maintenant, ça, c'est aussi toujours le couloir pour aller. Dans notre chambre. Allons-y. Donc, étant là maintenant, vous voyez tout ce qui se passe en bas. Vous voyez tout ce qui se passe en bas. Vous voyez, non? Et même étant toujours là, vous êtes à l'étage, vous voyez tout ce qui se passe là-bas à l'esplanade. Voilà les parkings. Voilà ce gaz. Voilà l'extérieur. Voilà l'arrivée. Vous voyez tout ce qui se passe. Vous voyez, ça c'est à l'étage. Donc, on prend le couloir. Quand on prend le couloir, donc maintenant, on avance. Voilà. Voilà donc les Las Vegas. Voilà. Donc, ici, on a une autre chambre. La chambre 104. Oui. Toutes les chambres sont numérotées. Ici, c'est les toilettes. Bon, c'est les chambres les occupées. On ne veut pas trop. C'est la 103. Voilà, 103. Mais ça, c'est où je suis logé. Où va alors? Ah, les clés. Il faut qu'il ait présenté l'intérieur là. Oui. Ici, c'est je suis logé à la première catégorie, les gars. Donc, c'est où j'étais tout à l'heure. J'avais donné juste. Bah, les gens vont venir pleurer. C'est 30 minutes à passer. Les gens qui ont commenté après 30 minutes. C'était au Las Vegas. C'est ici que j'étais couché tout à l'heure. C'est donc ici que j'étais couché tout à l'heure. Je transpire. Hein. Comme je parle, je marche, je bois. Tout ça, je tourne. Voilà, voilà mon sac.
Voilà. Voilà ma télé. Ma télé. Voilà, donc, voilà où j'étais couché tout à l'heure. Donc, vous voyez, regardez bien le mur, hein. Le mur est staffé. Le mur, regardez bien le mur. Le mur. Il faut préciser cela. C'est très important. La propreté des Oui. Là, regardez le mur. Oui, même les toilettes, il y a tout. On va tout les montrer. Et vous voyez, Kevin, ici, il dit que, il y a la serviette. Si en sortant chez toi, tu oublies la serviette. Voilà ça. Mais tu finis d'utiliser, tu laisses. Hein. On va rester lavé. Eh, les gars qui arrivent, ils volent. Eh, les gars qui arrivent, c'est mon agent, ils partent avec. Donc, voilà les toilettes. Il dit que, donc, il y a les gars comme ça. Ils sont en train de dire que non, c'est mon agent. Il y a la raclette, il y a tout, il y a la serpillère. Il y a tout. J'ai aussi la pointinine au pied. Je suis pas aussi facile. Donc, la chaussure qui parle. Donc, voilà les toilettes, les gars. Donc, voilà. Vous voyez, non. Bon, c'est vraiment beau. Ouais. Vous avez vu les Las Vegas? Le confort, parce que la propreté, la sécurité. Attends, on reprend un peu. Mon frère, une seule adresse. Les Las Vegas. Ouais. Sécurité, confort, propreté. Ouais. Là, moi-même, je confirme. Ouais. C'est très bien, les Las Vegas. Ouais. C'est très bien. Donc nous avons présentement, moi j'ai présentement 4 partenaires. Nous avons les Las Vegas, nous avons Manda Kriya qui est la styliste, qui va même poser les habits sur moi et tout mon équipe en fait. Mon équipe, donc Manda Kriya qui est située au niveau de Eldorado Como, le centre de formation également. Donc elle fait dans la formation en haute couture, coiffure et tout. Donc nous avons déjà 4 partenaires pour l'événement qui arrive. Cette annonce est très grave, très fort. Donc, nous avons voulu nous présenter comme ça le complexe Las Vegas. Les artistes là, vous avez vu les chambres, on va vous loger. Ne vous inquiétez pas, on va vous loger. Donc, les artistes qui sont invités, pour ceux qui sont loin de Yaoundé, seront logés à Las Vegas. Et il y a la sécurité, c'est beau, c'est propre en même temps. Il y a le vent. Donc, vous voyez. Donc, merci également à Easy Market. Easy Market qui est notre nouveau partenaire. Dans les mains des oncles, des tantes, des tantes, ils mangent. Donc, désormais, vous avez la possibilité de passer par Easy Market. Vous payez par Easy Market, quel qu'en soit où vos parents, ou quel qu'en soit où le père est situé, ou bien la mère, ou bien l'oncle que tu vas envoyer la nourriture est situé. Easy Market va livrer. Donc, tu passes la commande, tu sais, chaque fin du mois, tu passes la commande, Easy Market va aller livrer chez tes parents, quel qu'en soit le domicile, quel qu'en soit la ville. Easy Market prend ça sur lui et part. Nous sommes pas là maintenant. Non, là c'est qu'à Yaoundé, ce n'est pas toi là. Est-ce que le son est bon maintenant, Guy? Merci monsieur. Il m'a dit que le son est un problème. Est-ce que le son passe alors maintenant? Si le son est bon, envoie-moi un peu les cœurs, s'il vous plaît, envoie-moi un peu les cœurs pour me confirmer que le son passe. Le son passe. Le son passe. Peut-être j'ai bloqué le son avec mon doigt. Peut-être.
Est-ce que le son passe à l'homme maintenant? Avouez un peu les cœurs si le son passe. Le son ne passe pas. Oh, personne m'écrit là. Ok, merci, merci. Le son passe, merci. Donc, j'étais en train de parler de Easy Market, qui est notre nouveau partenaire. Si le son est bon, peut-être que quand j'ai parlé de Easy Market, les gens n'ont pas compris. Ils disaient que si tu es en bain, si tu es en bain, et que tu veux envoyer les vivres à tes parents, si c'est tes oncles, si c'est tes parents même qui t'ont donné la vie au Cameroun, je précise bien au Cameroun, quel qu'en soit le village, quelle qu'en soit la ville, quelle qu'en soit la région, vous contactez Easy Market. Easy Market s'en charge parce que certaines personnes donnent souvent l'argent aux oncles. Les oncles mangent. Le père là, il souffre au village. Toi, tu es en bain, tu es sûr que non. Le père à l'aise, tu as envoyé l'argent, on a acheté tout aux parents, au père, à la mère. Alors pourtant, ils sont en train de souffrir là-bas au village. Donc désormais, vous avez la possibilité de passer par Easy Market. Vous payez chez Easy Market et vous écrivez, vous donnez la liste de tout ce que vous voulez. Easy Market va aller livrer tout ça dans le, chez vos parents, à domicile. Easy Market va aller livrer. J'étais en train de parler également de Mandat Cria, qui est notre partenaire, qui est spécialisé dans le, qui a un centre de formation professionnelle en stylisme, coiffure, modélisme, machin, tout ça. Esthétique, décoration. Elle fait la formation, elle est située là-bas, elle devra donc comment. Donc voilà, et notre partenaire également, Vouri TV, qui est spécialisé dans la distribution des films là-bas en Europe, ayant pour le DG Patrick Nyekamga. Donc, ça fait quatre partenaires déjà pour notre événement. La liste est encore ouverte hein, pour ceux qui veulent nous contacter comme partenaires de l'événement qui arrive bientôt. Je vous ai présenté Las Vegas. Je ne vais plus parler de Las Vegas. Vous avez tout compris. C'est les Las Vegas. Donc, c'est ici, au Las Vegas, et plus précisément dans la salle de fête où on était tout à l'heure, qu'il y aura la fête. Oh, quelqu'un qui m'a appelé. Donc, je vais arrêter le direct. À la prochaine. Hein. Bye bye.